Hey, came in the game getting money. Flip a chick's whip, get money. Niggas get to playing with the money. Click bang for the money, shit change over money. They love to see a nigga on the bottom. Catch a come up, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 hoes. Look at here, bitch, I'm A-OK. Shawty won't fuck with. Came in the game getting money. Flip a chick's whip, get money. Niggas get to playing with the money. Click bang for the money, shit change over money. They love to see a nigga on the bottom. Catch a come up, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 hoes. Look at here, bitch, I'm A-OK. Shawty won't fuck with. Came in the game getting money. Flip a chick's whip, get money. Niggas get to playing with the money. Click bang for the money, shit change over money. They love to see a nigga on the bottom. Catch a come up, gotta keep it on the low. A nigga plug, bless a nigga with a hoe. Wanna break the bitch down in the 36 hoes. Look at here, bitch, I'm... Yo, c'est Yo Viral et je vais te parler du plus gros problème qu'ont les joueurs de poker. C'est un problème que j'ai eu pendant longtemps. C'est la souffrance à chaque bad beat. La conviction d'être moins chanceux que les autres. Combien de fois ça t'est arrivé pendant que tu jouais d'avoir la meilleure main et que ton adversaire trouve une carte ultra chanceuse pour te prendre le coup, pour t'éliminer? Tu ressens une énorme frustration. Tu tapes sur le clavier, t'allumes une clope si t'es fumeur. Tu repars à la caisse si t'es au casino. Tu connais cette situation, hein? On connaît tous ça. Dans les moments qui suivent, tu te demandes ce que t'as fait de mal. Si ça sera toute ta vie comme ça. Si t'es plus malchanceux que les autres. C'est une sensation horrible, hein? Ça t'est déjà arrivé après un bad beat ensuite de jouer n'importe comment? De faire un coup que t'aurais jamais fait d'habitude juste parce que t'étais grave frustré? T'as joué avec des cartes que tu joues pas d'habitude dans cette situation. T'as fait un très mauvais call. Ou alors un bluff que t'aurais jamais fait en temps normal. Sur le moment, tu t'en es pas vraiment rendu compte. Mais après coup, quand t'as fait ton analyse dans ta chambre, t'as repensé à ce coup-là, tu t'es dit, au fond, tu sais que t'as mal joué ce coup parce que t'étais énervé du bad beat que t'avais pris avant. C'est d'ailleurs souvent le même joueur qui t'a mis le bad beat sur lequel tu vas t'acharner et sur lequel tu vas faire cette nouvelle erreur parce que inconsciemment t'avais un peu un désir de revanche. Tu te demandes comment faire pour plus que ça arrive. Après des années, j'ai la solution en 7 étapes et je vais te la donner maintenant. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je t'offrirai un énorme cadeau. Alors voici les 7 étapes qui te permettent d'arrêter d'être dans cette spirale négative que tu te crées parfois avec le poker. Première étape, accepter que tous les jours, tu continueras de prendre beaucoup de bad beats et que tu en mettras aussi beaucoup aux autres. Le jour où j'ai accepté ça, c'était beaucoup plus clair. L'étape 1 paraît assez bateau et pourtant penser comme ça, bah, ça marche vraiment. Ça ne te fera pas gagner plus, mais ça te fera perdre beaucoup moins suite aux mauvais coups que tu vas prendre. Et au poker comme dans la vie, l'argent non perdu, c'est de l'argent gagné. Ce concept est crucial. Tout l'argent que tu perdras pas suite à ton énervement, à ta frustration d'avoir pris le bad beat, c'est de l'argent que tu auras sur ton compte en banque à la fin du mois. C'est donc de l'argent gagné. Deuxième étape, apprendre à être vraiment bon au poker pour gérer toutes les situations hors bad beat et elles sont très nombreuses. Être vraiment bon au poker, ça ne veut pas dire gagner la plupart des parties contre les potes ou avoir fait des bons résultats en association. J'adore et j'approuve les associations de poker. Mais ce n'est pas dans ces associations que tu vas pouvoir devenir très bon et très rentable au poker. Être vraiment bon au poker, ça ne veut pas dire avoir déjà gagné un ou plusieurs tournois, en ligne ou en casino. Il y a plein de joueurs qui sont moyens, voire mauvais, et qui ont tout simplement eu la chance de gagner un ou plusieurs tournois à des moments de leur vie. T'en as sûrement déjà vu passer plein des comme ça. Pour ma part, j'en ai vu des centaines. En général, ils finissent toujours par tout repère de poker au profit des bons joueurs. Ça prend le temps qu'il faut, parfois une semaine, parfois quelques mois, parfois quelques années. Hein. Quand ils avaient gagné une très grosse somme, hein, bah ouais, hein, une victoire en European Poker Tour, ça met un peu de temps à être reperdu. Hein. Mais ils finissent toujours par tout reperdre, et avec les intérêts. C'est triste, mais c'est la dure réalité des mauvais joueurs dans le poker. En général, ces joueurs-là ne se forment jamais ou très peu. Ils pensent que le poker, c'est beaucoup de chance, beaucoup d'instinct, de psychologie, etc. Or, l'instinct, la psychologie et la chance sont des données secondaires pour le bon joueur de poker. Le bon joueur de poker cherche pas à s'améliorer sur ces aspects-là parce que tout simplement, il n'y a pas grand-chose à travailler à ce niveau-là. Le bon joueur apprend plein de techniques, notamment à savoir s'il doit suivre ou non dans cette situation, s'il doit bluffer ou non, combien il doit miser, compter les probabilités de toucher son jeu d'une manière simple, compter les combinaisons de mains possibles adverses et plein d'autres choses. Pour commencer le processus de devenir un joueur vraiment rentable au poker, il faut d'abord sélectionner les bonnes mains de départ sur chaque type de partie. Plus d'un coup sur deux que mes élèves m'envoient pour que je leur dise ce que j'aurais fait à leur place,
eh ben, y a une erreur préflop. C'est-à-dire sur la main de départ à sélectionner et la manière de la jouer ou de ne pas la jouer, ben, ils ont fait une erreur. Et si cette erreur était évitée, il y aurait plus de 50% de leurs coups qui n'auraient pas eu la même fin. Et donc, plus de 50% de leurs tournois en général qui n'auraient pas eu la même fin. Entre faire 13e d'un tournoi et faire premier, parfois ça se joue à un seul coup mal joué. Et en le jouant différemment, on finissait premier du tournoi une partie du temps. Tu connais sûrement la différence de prix entre la 13e place et la première place d'un tournoi. Imagine si tu avais une technique de plus qui te permettait de gagner le coup ou de ne pas te faire éliminer. Une décision, ça peut valoir énormément d'argent. Combien ça vaut le prix de la connaissance? Si tu débutes et que tu es sur une table de 8 ou 9 joueurs, je te conseille de jouer à environ une main sur 8. Quand tu es plus expérimenté, tu pourras passer à une main sur 6. Quand tu es meilleur que la moyenne des joueurs de ta table, bah là, tu pourras ouvrir une main sur 5. La troisième étape, c'est de bluffer le moins souvent possible. Il faut savoir qu'à ce jeu, et de manière générale, les joueurs sont trop curieux. Ils préfèrent payer et avoir tort plutôt que se coucher et être dans le doute parce que le bluff, le fait que tu puisses les avoir bluffés, bah, ça les rongerait tellement qu'ils préféraient payer pour s'assurer que tu ne bluffes pas, quoi. C'est surtout valable pour le jeu en live, en table réelle, en casino par exemple, mais les joueurs auront peur que s'ils ne payent pas et que tu les bluffes, tu leur claques le bluff sur la table au moment où ils se couchent. Et là, c'est la honte. Tout le monde va rire du joueur qui s'est couché. Et il y a cette pression sociale qui fait que c'est très désagréable. Donc, tu n'as pas envie d'être dans cette situation. Du coup, les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils callent. Ils n'ont pas envie de vivre ou revivre cette situation. Et ils préfèrent payer et perdre dans le silence parce que tout le monde reste silencieux quand quelqu'un paye et perd. Mais tout le monde ne reste pas silencieux quand quelqu'un se fait bluffer. Voilà pourquoi tu dois jouer en value, c'est-à-dire miser pour rentabiliser et non pour essayer de faire coucher l'adversaire. C'est comme ça que tu vas le plus profiter des tendances adverses. Cette tendance se vérifie particulièrement sur des tables avec des enjeux à moins de 50 euros. Mais en réalité, elle est très présente jusqu'à des parties très chères. Les gens ont tendance à coller même sur les parties très chères. Du coup, je te conseille de jouer en value la plupart du temps. Je vais ajouter un petit bémol, c'est qu'il y a certaines situations où il faudra bluffer. Même contre des joueurs récréatifs, même contre des mauvais joueurs. J'en parle dans le programme Poker Pro, je te montre des exemples concrets de bluffs à réaliser qui fonctionnent vraiment. Quatrième étape du bon joueur, c'est qu'il fait du volume de jeu. Ça veut dire notamment pour le poker en ligne, jouer des milliers de tournois ou des dizaines de milliers de mains de cash game. En combinant la technique et le volume de jeu, il est presque impossible de ne pas être gagnant au bout de 4 mois d'affilée en tournoi. Même si on est malchanceux. Alors si on n'est pas malchanceux, on sera gagnant dès le premier mois. Ici, voici mes stats en tournoi en ligne. On peut voir que j'ai joué 5619 tournois pour 231 378 euros de profit net, ce qui équivaut ici à un retour sur investissement moyen de 74%. C'est ce qu'on appelle le ROI. J'ai gagné dès le départ. Bon, j'aurais pu perdre au départ, ça aurait rien changé. Mais ce qui est un peu plus intéressant à analyser, c'est que je retombe jamais dans le rouge. On aurait pu imaginer que les bons joueurs reperdaient l'intégralité de leurs gains à un moment donné, puis remontaient, etc. Et qu'ils faisaient le yo-yo comme ça. Mais non, en fait, un bon joueur restera à vie en profit au poker. Même en continuant à jouer, parce qu'il a un ROI positif. La seule chose qui pourrait faire qu'il reperde tout et passe dans le rouge serait un déclin important de son niveau de jeu, parce qu'il a par exemple arrêté d'apprendre, arrêté de se former en pensant tout savoir à ce jeu. On peut constater sur ma courbe de tournois en ligne que sur une période de 3000 tournois, je stagne à 70 000 euros de profit. C'est une période très dure où j'ai subi énormément de bad beats en phase finale de tournoi, notamment à 18 joueurs restants, en demi-finale, ce qui nous empêche de faire les grosses places pendant très longtemps. Mais on constate qu'il est rare d'être perdant sur plus de 1000 tournois. Le bon joueur finira toujours bien gagnant grâce à sa technique et au volume. Pour le cash game, ça va encore plus vite, car l'avance face à nos adversaires est plus grande de par le fait que les blindes n'augmentent jamais et que la profondeur des tapis permet de mieux manipuler et d'exploiter nos adversaires après le flop. Donc de tirer un avantage plus important sur eux. Il faut savoir qu'en 2 semaines de cash game avec un volume important, même en étant malchanceux, on sera presque tout le temps gagnant. Pourtant, on aura pris des centaines de bad beats sur les 2 semaines, mais on sera quand même gagnant. On parle ici de 30 000 mains. J'ai connu un seul mois perdant dans toute ma carrière de cash game en ligne, en novembre 2015. Pour ceux à qui ça parle, je devais finir break-even sur 45 000 mains, donc un jeu, mais j'ai run 25 000 euros soulevés. Pas de souci, ça t'arrivera peut-être jamais avec d'avoir une telle malchance. Tous les bons joueurs de cash game online ont cette particularité de n'avoir quasi que des mois gagnants dans toute leur carrière. C'est plutôt sympa, non? Le tout en prenant des tonnes de bad beats chaque jour, mais avec le sourire. Ici, voici ma courbe de cash game en ligne sur 1 400 000 mains. Je gagne environ 260 000 euros net, pré-regback et sans compter les nombreux sites que je joue en .com où les trackers ne sont pas acceptés. Où je gagne rien qu'à eux, presque 2 fois plus que ce que j'ai gagné sur cette courbe. La courbe orange indique ce que j'aurais dû gagner, soit un peu plus que ce que j'ai gagné réellement. On dit que je run un peu en dessous de l'EV, de l'expecting value.
Grossièrement, ça veut dire je suis plutôt malchanceux. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas de gagner. La plupart de mes downswings sont de maximum 10 000 euros, soit 5 buy-in de ma limite la plus haute en ligne, à savoir la NL2K, c'est-à-dire 10-20 euros les burns. Maintenant, mon average buy-in doit être autour de 500 euros en cash game, donc 10 000 euros représentent environ 20 buy-in. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a besoin juste de 50 à 100 buy-in de bankroll pour pouvoir jouer en cash game quand on est un bon joueur. Il sera très rare, voire impossible de perdre plus de 20 buy-in sur une période avant de regagner. Étape numéro 5, ne jamais arrêter de se former. J'ai investi à ce jour plus de 70 000 euros sur moi-même au fur et à mesure des années dans des formations en ligne, dans des coachings, dans des stages, dans des livres. Bonjour à tous, je suis Sir Flo, ou Florian, j'ai 25 ans, je suis joueur de cash game professionnel. Je joue sur des blindes 2-4 euros et 5-5 aussi. J'ai rencontré You à Vincennes. Ces formations, bah voilà, ça m'a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés et d'atteindre cette liberté aussi que j'ai toujours recherchée en devenant joueur de poker professionnel. C'est-à-dire que je suis passé de quelqu'un qui gagnait 1000 euros par mois et maintenant je peux atteindre des 7000 euros par mois. Donc c'est totalement un changement de vie en fait. Et si toi tu veux ce changement de vie, il n'y a pas d'autre choix que de se former, de devenir meilleur que les autres et tu vas voir que ta vie elle peut changer. Et tu peux crush la vie grâce aux conseils qu'on va te donner. En fait, c'est simple. À chaque fois que j'investis X sur moi-même, j'ai un ROI positif. Les experts du développement personnel s'accordent pour dire qu'il n'y a pas plus gros retour sur investissement que l'investissement sur ses propres compétences. Et c'est assez logique en fait, parce qu'on est l'acteur de tout ce qu'on entreprend. Donc si on se met à mieux jouer une situation courante de poker, le résultat va se répercuter des centaines de fois. Sur chaque fois qu'on va jouer la situation. Donc en investissant une fois un montant, on produit des victoires, des décisions profitables, des résultats, des milliers de fois. Sixième étape pour plus souffrir des bad beats et devenir vraiment rentable au poker, c'est de prendre des notes sur ses adversaires. À chaque fois que tu repères quelque chose d'atypique dans la façon de jouer un coup d'un de tes adversaires, prends une note sur lui. En ligne, il y a la possibilité de le faire. Si tu es en live, sors ton téléphone et écris dans les notes une fiche sur chacun de tes adversaires. Ça va être des joueurs que tu vas rejouer tôt ou tard et sans doute plusieurs fois. Plus tu as d'informations notées sur eux, plus tu prendras de meilleures décisions contre eux. Et donc, plus tu gagneras de jetons et donc d'argent. Online utilise toujours le système de pastilles de couleurs. Je te donne le mien. J'utilise le vert pour les joueurs pro standard, le rouge pour les joueurs récréatifs passifs, le bleu pour les joueurs récréatifs agressifs, le orange pour les joueurs pro qui font pas mal d'erreurs. Dernière étape, utilise les logiciels d'aide à la décision et les logiciels de progression. Le kit indispensable, et je te mets tous les liens en dessous de la vidéo, comme ça tu vas pouvoir tout récupérer. Un tracker pour automatiser tes prises de décision, Hold'em Manager 2 ou Poker Tracker 4 si tu es sur Mac. Sharkscope pour avoir des renseignements sur le profil de l'adversaire. Combien il joue en moyenne, combien il perd, combien il gagne depuis qu'il joue. Ces informations te permettront de prendre des décisions cruciales contre les joueurs. Parfois j'hésite entre call ou fold dans un gros pot et simplement une recherche rapide Sharkscope me permet de départager ce que je vais faire selon le spot parce qu'un joueur perdant va jouer différemment une situation précise alors qu'un joueur gagnant va la jouer pas de la même manière. Et souvent, quand on vient d'arriver à la table et qu'on n'a pas encore de notes sur un adversaire contre qui on va se retrouver dans un gros coup, on ne sait pas encore son profil. Grâce à Sharkscope, on peut savoir s'il est gagnant ou perdant et donc du coup déterminer si dans cette situation-là, il est plutôt en bluff ou en value. Equilab pour travailler sur les équités, travailler sur les pourcentages de chances de gagner à différents moments du coup. Ça peut être pré-flop, ça peut être post-flop et ça peut être aussi avec une main contre un éventail total de mains. ICM Hyzer 2 pour savoir avec quelle main payer un tapis ou faire tapis dans des situations de table finale ou de bulle en tournoi standard et en satellite. Dans le programme Poker Pro, tu trouveras des vidéos utiles pour pouvoir bien utiliser et exploiter tes adversaires grâce à ces différents logiciels ainsi que d'autres. Si tu suis ces 7 étapes et que tu acquiers un mental de gagnant, tu vas générer d'importants profits au poker. Tu pourras devenir joueur pro, voire millionnaire grâce au poker. C'est important même quand tu seras pro de garder du plaisir à jouer. Même si parfois, je le comprends, ça pourrait être la routine et tu ne comprendras pas forcément le sens de tout cet argent que tu gagnes. Comme ça a pu m'arriver à des moments dans ma carrière. Il faudra te recentrer sur le pourquoi tu as commencé le poker et le plaisir que c'est d'y jouer. Ma meilleure soirée au poker à ce jour, c'est plus 150 000 euros en remportant un tournoi important en ligne devant 1000 joueurs. Il s'agit du main event des Power Fest, c'est une des plus grosses séries de tournois du .com, un peu comme les Scoop, les W Coupe. Et sur ce main event Power Fest à 1000$, j'ai pris 168 000$, soit à peu près 150 000 euros. La bonne nouvelle, c'est que j'ai filmé tout le tournoi, du début à la fin. Le soir-là, j'étais en live et toute la session avec les autres tournois que j'avais en parallèle, c'était des buy-in aux alentours entre 100, 200, il y avait des buy-in à 500 aussi, d'autres buy-in à 1000$ dans la même soirée.
Toute cette session, tu vas pouvoir la voir en replay maintenant. Je t'offre le replay intégral pour que tu puisses voir du début à la fin comment j'ai joué mes coups à cartes révélées. Il suffit simplement que tu répondes à la question suivante en commentaire en dessous de cette vidéo. C'est gratuit, réponds simplement à la question et tu vas recevoir le replay. La question, que vas-tu faire pour changer ton approche du poker dès aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire de concret là? Quelle action tu vas mettre en place? Ça peut être une action parmi les étapes que j'ai données justement, quelque chose que tu fais moins bien. C'est à force de mettre petite brique par petite brique qu'on devient réellement rentable. Je te laisse répondre à la question et découvrir le replay. Je te retrouve dans la troisième vidéo demain où je vais te montrer des situations concrètes où j'ai fait des calls complètement contre-intuitifs qui ont généré beaucoup d'argent, ce qu'on appelle des hero calls. Et je vais te montrer aussi des coups où je me suis couché avec des mains très fortes, ce qu'on appelle des hero folds, parce que je savais que j'étais battu et je vais t'expliquer pourquoi je le savais. Donc rate pas ça parce que ça va être énorme. Je te donne rendez-vous dans la vidéo 3 demain pour voir tout ça. À tout à l'heure. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Fucking with me, call up on no Uzi and show up, man, them the shot toss. When my homies pull up on your block, they make that thing go gratatata. Hey, hey, switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to Bon Scott. We blowin' smoke, she asked me light a fire like a Mars song. Ay. Act a fool on stage, probably leave my fucking show in a cop car. Ay. Shit was legendary, through a TV out the window of the montage. Cocaine on the table, liquor pouring, don't give a damn. Dude, your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. In my trailer, said I ain't got a man, and they all brought a friend. Yeah, ayy. I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star. All my brothers got that gas, and they always be smoking like a rock star.